Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis très contente aussi d'être avec vous. Je voudrais d'abord remercier l'équipe là qui prépare d'arrache-pied tout ce parcours et qui fait un formidable travail. Voilà, alors je vais essayer de répondre un peu aux questions, certaines des questions au moins qui ont été posées dans un exposé pas trop long pour qu'on ait aussi du temps pour interagir ensemble. Et je voulais surtout enfin, partir de la question des inégalités, pas simplement des inégalités de revenus, mais aussi des inégalités de patrimoine, de richesse, parce que je pense que c'est un des enjeux clés si nous voulons réaliser la transition écologique et sociale, que d'arriver à limiter ces inégalités, à les réduire très fortement. Donc, ce que je proposerais, c'est d'abord de revenir sur ces effets pervers des inégalités, voilà, donc plutôt monétaires en termes de richesse, disons, matérielle. Et puis se demander ensuite comment combattre ces inégalités. Donc, en gros, donner quelques éléments sur ce que nous avons proposé donc, dans l'ouvrage écrit avec Gaël Giraud en 2012, et puis il y a une nouvelle édition 2017 sur le facteur 12. Ce qui m'amènera à dire aussi quelques éléments qui rejoignent bien les propos de Dominique Méda sur la question de la transformation du travail, du rapport au travail et des métiers. Et puis, proposerai un temps où aussi vous inviterez à réfléchir personnellement aux attitudes à la fois personnelles et collectives qui peuvent nous aider à entrer dans ce type de processus. Alors, je pense que ça rejoindra la question du rapport à nos émotions et en abordant notamment l'attitude du détachement comme étant, à mon sens, aussi assez clé par rapport à ce que nous avons à traverser ensemble. Alors, donc, d'abord, sur les effets pervers des inégalités, alors évidemment, on pourrait en parler des heures. Ce que je résume juste quelques points qui me semblent assez clés. Je pense que nous avons tous en tête un certain nombre de chiffres qui sont donnés chaque année par Oxfam pour insister sur l'accroissement des inégalités aux extrêmes dans nos sociétés et à travers le monde. Je donne juste un chiffre, enfin deux chiffres là-dessus, c'est que les richesses des 1% les plus riches de la planète correspondent à plus de deux fois la richesse de 90% de la population, c'est-à-dire presque 7 milliards de personnes. Et puis si je prends le cas de la France, eh bien on a 7 milliardaires qui possèdent plus que les 30% les plus pauvres, et puis 10% des riches qui possèdent 50% des richesses. Donc ça, voilà, je pense qu'on n'a jamais fini de, enfin, voilà, de trouver que ces chiffres, on n'arrive même pas à imaginer en fait ce que ça veut dire exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit comment il y a un fossé qui se creuse entre ceux qui se trouvent aux extrêmes, donc les plus pauvres et qui sont une majorité de la population, et puis quelques personnes ou quelques entités de l'autre côté. Alors, c'est face à cette réalité de la croissance des inégalités, qu'avec Gaël Giraud, on avait essayé de réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles il est essentiel de limiter les inégalités. Alors, d'abord, je ne vais pas détailler ce point, mais parce que contrairement à ce que disent certains économistes et ce que dit la théorie dite du ruissellement, il n'est pas vrai de dire que des inégalités de revenus favorisent une efficacité économique. C'est bien le contraire. Puis un point aussi essentiel, c'est de reconnaître comment ces inégalités sont un facteur de délitement social. Et là, il y a aussi pas mal d'études qui ont été faites, notamment, je cite Kate Pickett et Richard Wilkinson, qui sont deux épidémiologues anglais, qui ont publié un ouvrage il y a quelques années, qui montrait qu'au fond, pour nos sociétés, dans leur ensemble, les sociétés dans lesquelles il y a le plus d'écart de revenus, sont aussi les sociétés dans lesquelles il y a un mal-être à la fois social, sanitaire, beaucoup plus important que dans les pays dans lesquels les écarts de revenus sont plus faibles. Et donc ça, c'est aussi un argument intéressant parce que c'est dire que, évidemment, les inégalités, elles ne bénéficient pas aux plus pauvres, mais qu'au fond, elles sont aussi délétères pour l'ensemble d'une population d'un pays. Ça, je pense que c'est un point assez clé par rapport aux enjeux de transition sociale. Et puis, évidemment, du point de vue des questions écologiques, on sait aussi combien les inégalités ont des effets pervers sur l'érosion de la biodiversité, sur l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre. Et il y a même un lien très étroit entre le fait que
10% des plus riches possèdent 50% des richesses. On a aussi 10% des individus les plus émetteurs représentent 45% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Voilà, et ça c'est aussi, dans les travaux montrent bien qu'il y a un lien étroit entre l'augmentation du PIB et puis le fait que cette augmentation du PIB par habitant, il est tiré aux deux tiers par l'augmentation de la consommation énergétique par habitant. Voilà, et donc il y a un enjeu fort à arriver à aller vers une réduction des inégalités qui va de pair avec les enjeux de sobriété. Puis enfin, je pense que là, c'est en lien étroit avec ce que nous vivons avec le Covid et la crise sanitaire actuelle, c'est qu'au fond, les inégalités accentuent ou manifestent les phénomènes de ce qu'on peut appeler la double peine pour les plus pauvres. Les plus pauvres peuvent être plus exposés au Covid, d'une certaine manière, parce qu'ils ont aussi moins de ressources pour y faire face ou pour faire face aux conséquences économiques et financières de cette crise. Et on voit déjà comment aux États-Unis, le nombre de chômeurs augmente dramatiquement. On sait bien qu'il y a les perspectives sont quand même très sombres pour une grande partie de l'humanité. Donc, ça invite à réfléchir à ce que nous faisons de ces inégalités et des effets qu'elles ont parce qu'elles augmentent la vulnérabilité des plus pauvres. Et puis, il y a eu quand même pas mal dans les médias d'écho du fait qu'il y a quand même un décalage aussi entre le fait que ceux qui sont les plus exposés aujourd'hui sont souvent des personnes qui sont beaucoup moins bien payées dans nos échelles de salaire actuellement. On pense aux aides-soignants, aux infirmiers, infirmières, aux pompiers, etc. Et puis aussi aux ouvriers qui doivent aller travailler dans les usines alors que les cadres peuvent rester chez eux à faire du télétravail. Il y a plein d'autres métiers qui sont vraiment concernés. On ne dit pas qu'il n'y ait pas des métiers type médecin ou autre qui soient aussi en première ligne, mais disons qu'il y a quand même là, on voit bien une inégalité forte. Et puis enfin, je pense que les inégalités de richesse, de revenus, elles n'aident absolument pas à ce que chaque personne trouve une forme d'équilibre personnel. Et là, je pourrais donner plein d'exemples, je pense que nous en avons aussi en tête. Moi, un exemple qui est lié aux recherches que j'ai pu mener au Nigeria pendant une douzaine d'années sur les effets de l'activité pétrolière, sur le lien social. Et un jour, j'étais dans les locaux d'une compagnie pétrolière et je discutais avec des expatriés et je les entendais qui parlaient entre eux, un peu en auto-dérision, d'eux-mêmes face aux réalités qu'ils vivaient. Ils s'appelaient eux-mêmes les GPE, c'est-à-dire les gros ports d'expatriés. Et je dois dire, cette expression qui était de l'auto-dérision, je trouve qu'elle était très, très, très impressionnante comme manifestation du décalage entre ce que c'est. Enfin, du sentiment d'une certaine manière de division intérieure que pouvaient ressentir des jeunes diplômés qui faisaient du point de vue de leur métier des choses qui avaient une certaine forme d'utilité vis-à-vis de l'extraction pétrolière, mais sentant bien le décalage entre leur niveau de revenus, de richesse, et puis les réalités vécues juste à côté d'eux et à côté de ces installations. Il y avait des personnes dans les bidonvilles qui n'avaient pas accès à l'eau potable, alors que par ailleurs, à l'intérieur de ces installations, les gens lavaient les voitures à l'eau potable. Voilà, pour juste donner un exemple de ces inégalités extrêmes, mais qui ont des retentissements sur la vie de tout le monde. Voilà, alors tout ça c'est dit très vite. Je pense que avec ce diagnostic-là, on voit bien que les problèmes sont multiples, ils sont aussi interdépendants. Et finalement, si on essaye de se demander qu'est-ce qui pourrait permettre d'avancer vers une organisation un peu différente, eh bien, on peut se dire qu'il y a sans doute un enjeu fort à ce que ce ne soit pas les personnes qui soit dominant dans une sphère de l'existence, et là en l'occurrence peut-être dans la sphère du marché, qui soit aussi ceux qui sont finalement ceux qui ont des positions dominantes, voire de monopole, dans d'autres sphères de leur existence. Là, je fais référence aussi notamment aux analyses faites par un philosophe qui s'appelle Michael Watzer, qui a beaucoup réfléchi là-dessus, de façon très intéressante, pour montrer qu'à rebours, on a aussi ceux qui sont
d'une certaine manière les perdants dans une sphère, notamment la sphère du marché, risquent d'être aussi les perdants dans toutes les autres sphères. Voilà. Alors, peut-être peut se dire qu'aujourd'hui, la crise du Covid nous montre que quand même, cette crise, elle rend les gens égaux, d'une certaine manière, devant la mort, et que peut-être ce qui se passe et qui nous met tous à égalité face aux risques sanitaires, alors avec les bémols que j'ai évoqués, mais peut-être aider ceux qui sont dans des situations d'aveuglement vis-à-vis de ce qui se passe finalement autour d'eux, peut-être qui sont dans des positions dans lesquelles ils n'arrivent finalement plus à voir un certain nombre de phénomènes, et on parle beaucoup d'invisibilité sociale pour ceux justement qui sont rendus invisibles par nos fonctionnements institutionnels. Peut-être que cette crise est l'occasion de nous enlever nos œillères et de renouveler nos compréhensions des interdépendances et de nos vulnérabilités partagées. Voilà pour un premier écho de la façon dont on peut réfléchir aux inégalités comme étant un sujet absolument clé dans nos sociétés si on veut avancer dans la transition. Pour essayer de réfléchir à la manière de combattre ces inégalités. Alors, bon, je dis un mot de propositions faites dans le facteur 12. Alors, c'est un premier point, je pense qu'il consiste à revoir nos critères et le fait que nous mesurions habituellement la valeur des personnes en fonction des niveaux de rémunération. Enfin, en tout cas, c'est souvent un effet pervers du fait que dans des entreprises, notamment peut-être dans des grandes structures, l'évolution de carrière des personnes soit aussi jugée en fonction de l'augmentation du salaire perçu. Alors, ce qu'on appelle la valeur de chapelet, c'est justement le point exactement inverse qui est souligné, c'est qu'en fait, l'utilité sociale, elle n'est absolument pas liée aux revenus. Beaucoup de métiers moins rémunérateurs sont absolument essentiels au vivre ensemble. Et donc, on peut dire que favoriser une lutte contre les écarts de rémunération croissants, c'est une façon justement de mettre l'accent sur des critères de valorisation autres, et puis lutter contre la domination de la sphère du marché et insister sur le fait qu'il y a énormément de métiers, d'activités qui ont une utilité sociale qui contribue à nourrir justement le lien social, le respect des écosystèmes, le bien-vivre dans les territoires, et qu'il y a un enjeu très fort à valoriser cela de différentes manières et pas forcément par le niveau de salaire. Alors donc, ce que nous avons proposé, c'est de réduire de 1 à 12 les échelles de rémunération. Et en fait, on peut dire que c'est déjà énorme, parce que c'est déjà énorme de gagner en un mois ce que d'autres gagnent en un an. Donc en fait, là, on voit bien que cette analyse-là, elle tient compte du fait que, par exemple, je crois qu'un patron de hedge funds, au moment de la crise des subprimes, il y a une douzaine d'années, gagnait en moyenne 10 000 fois plus que le salaire moyen d'un ouvrier américain. Bon, donc 10 000 fois. Donc on peut dire déjà promouvoir un facteur 12, c'est réduire considérablement cette échelle. Mais il n'empêche que si on met ça en vis-à-vis de ce qui se passe dans la vie pour la plupart des citoyens, déjà le facteur 12 est considérable. Enfin, donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on avait proposé cet écart-là pour un certain nombre de raisons, mais surtout pour proposer un débat public sur ces sujets. Alors, pour le mettre en œuvre, et ce qu'on peut faire de manière assez simple, ce serait de la part des pouvoirs publics de subordonner les appels d'offres publics au respect d'un tel facteur. Voilà. Puis, il y a la proposition de promouvoir une fiscalité très progressive sur les revenus. Je rappelle, parce qu'on a tendance vraiment à l'oublier, que dire cela n'est pas un discours spécialement qu'on qualifierait d'extrême gauche ou communiste, que aux États-Unis jusque dans les années 60, et en fait sur la tranche supérieure de revenus, l'imposition avait été, de 1951 à 1964, c'était 91%.
Et donc, les États-Unis, à l'époque, ne considéraient pas que ça soit une fiscalité confiscatoire. Et puis, ça a été de l'ordre de 70-75% jusqu'en 1981. Voilà, donc je pense qu'on pourrait revenir dans nos sociétés à voilà, une fiscalité progressive, enfin, beaucoup plus progressive que ce qu'elle est aujourd'hui. Puis, d'autres éléments qui pourraient être invoqués, c'est-à-dire c'est travailler aussi pour travailler sur non seulement les enjeux de partage plus juste d'une richesse créée qui a contribué à être déjà dans un premier temps partagée de façon très inéquitable, travailler sur les conditions d'une beaucoup plus juste, alors à la fois création et d'un beaucoup plus juste partage des richesses en amont. Et là, pour le faire, ça rejoint un certain nombre de réflexions aujourd'hui dans les entreprises, enfin, vis-à-vis du monde de l'entreprise et vis-à-vis de ce qu'est une entreprise et de son rôle dans la société, et notamment toutes les réflexions sur les transformations de la définition juridique de la société commerciale en droit français, mais ça vaut dans d'autres droits. Là, je n'ai pas le temps de le détailler, mais je pense que c'est un enjeu extrêmement fort que de dire l'entreprise, elle n'est pas là d'abord pour faire du profit, pour maximiser le profit pour les actionnaires et en gros pour les mandataires sociaux, mais elle est là pour parce qu'elle a normalement le projet d'entreprise a une utilité sociale, et l'enjeu c'est de voir comment le profit est un moyen nécessaire, au sens où cas spécifique, il faut faire du profit, mais profit nécessaire au service d'un projet d'entreprise dont on doit vérifier qu'il a une utilité sociale qui correspond à l'intérêt général. Et on pourrait très bien invoquer comme critère d'intérêt général, justement, cette réduction des inégalités de revenus, non seulement dans l'entreprise, mais aussi au long des chaînes de valeur. Voilà. Alors, après, pour favoriser la mise en œuvre aussi de cette réduction des écarts de rémunération, il y a toute une réflexion à mener autour de la valorisation des métiers type service public, de tous ceux qui sont compatibles aussi avec la transition dans différents domaines, et puis essayer de vraiment contribuer à une réflexion autre sur les critères de salaire, de juste salaire et de rémunération. Alors, pour donner l'exemple de ce qui se réfléchit au niveau du campus, là, de la transition, on n'a pas du tout encore finalisé cette réflexion, mais on a de grands échanges sur le fait que on va essayer de limiter vraiment les écarts à beaucoup moins que de 1 à 12, mais surtout se poser la question de savoir comment est-ce qu'on définit les critères d'un salaire qui soit finalement juste ou équitable, en se posant des bonnes questions sur le critère aussi des besoins des personnes. Le fait, alors on peut ajouter des critères autour des trajectoires antérieures, des situations familiales, de la localisation. C'est pas du tout pareil, évidemment, de vivre dans Paris ou de vivre dans une zone dans laquelle, en gros, les loyers sont beaucoup plus faibles, etc. Mais donc, réfléchir à nouveaux frais aux critères en fonction desquels, évidemment, on donne un salaire ou des revenus à des personnes. Puis, j'ai pas le temps aussi de détailler, mais évidemment, ça, toute cette réflexion sur la réduction des inégalités, elle va de pair avec la réflexion sur l'établissement d'un revenu universel qui pourrait être mis en lien avec les enjeux d'engagement sociétal. Voilà, donc au fond, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plein de manières de prendre cette question à bras-le-corps, et je pense que c'est plein de manières qui peuvent correspondre aussi aux façons dont nous-mêmes nous sommes situés, soit avec une capacité d'action en termes de partage de nos richesses, de nos revenus, soit si nous travaillons en entreprise ou dans des grandes entreprises, peut-être contribuer à sensibiliser à ce que représentent des écarts de rémunération trop élevés, en termes d'effets pervers, et puis pour essayer de faire contribuer à une culture différente et à faire bouger les choses, en disant peut-être que nous avons aussi plus de marge de manœuvre en interne, à l'intérieur des institutions, que ce que nous voulons parfois bien reconnaître. Et puis il y a ceux qui peuvent avoir aussi un rôle à jouer en termes de plaidoyer, de contribution à l'élaboration de réglementations qui permettent de changer les règles du jeu. Voilà, donc ça c'était un peu le deuxième point rapidement sur la façon dont nous sommes appelés à nous soucier de ces écarts de rémunération, des moyens de les traiter en lien avec une réflexion renouvelée sur les métiers et le travail.
maintenant sur se demander peut-être comment, en profondeur, travailler sur ce qu'on pourrait appeler la question culturelle qu'il y a derrière tout ça, comment essayer de travailler sur nos représentations collectives, sur nos freins, peut-être psychologiques ou des freins de nature diverse, vis-à-vis justement de sociétés transformées dans lesquelles nous ayons un autre rapport, on pourrait dire en gros à l'argent, aux richesses matérielles, et pour essayer d'être moins pris dans les logiques avec lesquelles nous avons été habitués à évoluer et sans doute, et parfois pour un certain nombre d'entre nous, à travailler. Je pense que c'est assez facile d'être pris dans des réflexes de déni ou peut-être la tendance à se rassurer à bon compte tout ce qu'on appelle le gagnant-gagnant, en fait, qui consiste à dire, ben oui, on va quand même arriver à promouvoir ensemble la croissance économique, un bien-être social et un respect des écosystèmes. Et ça, je pense que ça peut aller de pair avec une certaine légitimation du statu quo, sans voir ce qui se passe pour ceux qui sont justement les perdants de ce système. Et à commencer par ceux qui sont, par exemple, sur ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales, les chaînes de sous-traitance. Si vous avez peut-être en tête le drame du Rana Plaza en 2013, dans lequel 2000 personnes au Bangladesh sont décédées parce que les normes de sécurité ne respectaient pas les conditions c'était des conditions à la fois insalubres pour les couturières, essentiellement des femmes qui travaillaient dans ces locaux, et puis des conditions d'insécurité liées justement à une chaîne de valeur extrêmement inéquitable. Je donne souvent le chiffre que j'avais retenu du collectif L'éthique sur l'étiquette, qui disait que pour un chemisier ou autre qu'on achète 29 euros dans nos enseignes, eh bien, il y a uniquement 18 centimes qui va à la couturière. Voilà. Alors, et ça, je pense que on le sait plus ou moins, mais souvent nous ne voulons pas croire vraiment ce que nous savons, et en tout cas nous ne mesurons pas forcément de façon très concrète les conséquences pour les personnes qui sont pour nous invisibles ou très loin. Et donc finalement, moi, là encore, l'expérience que j'ai faite depuis une quinzaine d'années pour travailler beaucoup sur ces sujets avec des personnes en entreprise, ou pour voir les blocages en entreprise, elles sont souvent liées à un certain nombre d'arguments théoriques qui sont mis en avant pour justifier le fait qu'il y a le marché, qu'il y a la concurrence et qu'on ne peut pas faire autrement, qu'en fait on est pris au piège d'un système qui fonctionne comme ça. Et donc peut-être qu'on pourrait déjà proposer que pendant 30 secondes là, chacun se dise finalement où elle perçoit, qu'est-ce que vous percevez comme plus grands obstacles pour nous par rapport à ces enjeux d'inégalité, et notamment d'inégalité matérielle, de revenus, de salaire. Qu'est-ce qui nous bloque pour défendre haut et fort la réduction très forte des inégalités? Et merci pour tout ce que vous mettez, parce que je trouve que c'est très intéressant, parce que ça défile très très vite, mais de ce que je vois, il y a à la fois des éléments qui nous rejoignent dans nos besoins de confort, nos sécurités, nos égoïsmes, etc. Et puis aussi des problèmes systémiques, c'est-à-dire les attentes des investisseurs et des problèmes vis-à-vis desquels chacun de nous individuellement n'a pas prise. Et voilà, cette articulation entre responsabilité individuelle et collective, je vais revenir là très, très vite et puis brièvement, mais ça sera plutôt peut-être pour ouvrir la discussion. Je pense qu'il y a un enjeu fort à justement essayer de transformer ce que peuvent être nos imaginaires de la vie bonne. Et là, pour cela, je pense que le réfléchir en termes de détachement peut être très utile. Alors moi, depuis 2-3 ans, j'ai essayé de réfléchir à ça justement en regardant comment dans d'autres cultures cette question du détachement pouvait être posée, et avec des termes qui lient en fait la question du détachement avec la question de la reconnexion ajustée aux autres, à la nature. Alors ça peut être avec des notions comme la notion de Swaraj en Inde, qui était une notion très chère à Gandhi. Ça peut être la notion d'Ubuntu ou d'Ukama en Afrique du Sud, ou la notion de Buen Vivir en Amérique latine. Et on pourrait dire que la sobriété heureuse, c'est aussi une manière d'aborder cette question des attitudes ajustées.
Alors, si je dis juste un mot de la perspective du Swaraj en lien avec la notion de détachement, le Swaraj, en fait, ça peut être traduit comme le gouvernement de soi, et ça à une échelle qui est à la fois individuelle et collective. Et dans la perspective proposée par Gandhi, qui est aussi pas mal reprise pour ceux qui le connaissent par Satish Kumar dans des textes qu'il a écrits et qui sont traduits maintenant en français. Alors il y a d'autres notions que le Swaraj qui sont le Swadeshi et Sarvodaya qui vont avec, et en fait qui relient les dimensions économiques, écologiques, sociales, politiques et spirituelles, en disant au fond un enjeu fort c'est se détacher d'une conception pas du tout ajustée du rapport aux choses sous l'angle de la possession, de la volonté de transformation abusive vis-à-vis du respect des écosystèmes et vis-à-vis du soin des relations interpersonnelles à toutes les échelles, et du coup promouvoir un gouvernement de soi. Donc il y a bien l'idée d'une autonomie des personnes dans la reconnaissance de la vulnérabilité et des interdépendances. Et ça, justement, à l'échelle d'une personne, d'un collectif particulier ou d'une société tout entière. Et cette notion-là, je trouve que ce type de notion, qui peut rejoindre nos réflexions sur la sobriété heureuse, elle nous invite à nous demander quel est l'horizon désirable, ou peut-être justement l'horizon d'une société dans laquelle il y a beaucoup moins d'inégalités, et puis se demander quels sont les détachements nécessaires pour y parvenir. Et là, je vous propose aussi de prendre une minute pour vous demander, chacun d'entre vous, peut-être aujourd'hui, dans cette période de confinement que nous vivons, quels sont déjà les détachements, de fait, qui sont les nôtres, de différentes natures. Et puis, peut-être se demander aussi, détachement de quoi, et puis finalement, en vue de quoi. Merci beaucoup là, pour tout ce que vous mettez. Je pense que ce qui ressort là, de ce que je lis, mais qui va très très vite, c'est à la fois détachement, forme d'un style de vie, peut-être d'un rapport de dépendance à des produits, à des activités, se détacher aussi d'une logique d'accumulation matérielle, d'une logique de compétition, de performance, ce que les Espagnols appellent la rapidation. Et puis aussi d'attachement peut-être psychologique, émotionnel, de détachement par rapport à nos habitudes. Voilà. Et puis, il me semble du coup, ça permet de souligner que le détachement, c'est à la fois les conditions d'une forme d'autonomie, que j'ai évoquée, dans l'interdépendance, une forme de lâcher prise aussi, qui permet de faire face à ce que nous avons à vivre, justement à faire face à nos émotions aussi, qui est une prise de recul, une ouverture à d'autres idées, à d'autres possibles, peut-être aussi la capacité à vivre le manque sans que ça soit trop frustrant de vivre le manque, et peut-être au fond c'est le détachement permet aussi une relation à la vie d'abord comme un don, avant que ce soit un rapport à la vie comme un dû. Et le détachement, si on le met en perspective d'une vision de société que nous pouvons avoir, précisément un détachement pas pour être désengagé du monde, mais c'est bien pour être engagé d'une juste manière avec d'autres. Et donc, un détachement ou un dégagement qui soit pour le partage, pour l'échange, pour le bien vivre avec d'autres. Alors, et là, je voyais que dans ce qui circule très vite, certains disaient, est-ce que, on peut dire, après nous pourrions nommer un peu les dilemmes que nous avons par rapport à des détachements qui peuvent être difficiles à faire.
Voilà, et ça m'amène juste pour terminer, pour ouvrir peut-être un échange à cette réflexion que peut amener justement une prise de conscience de nos besoins de nous détacher pour pouvoir nous ajuster à nous-mêmes, nous relier à nous-mêmes autrement, à ce que nous avons à vivre. C'est le vivre pas simplement individuellement, mais aussi avec d'autres. Et je pense que ce que nous vivons et avec ce parcours, c'est précisément ça. C'est-à-dire que nous sommes reliés les uns aux autres, chacun d'entre nous avec son engagement spécifique, ses affiliations diverses, mais que nous sommes amenés à réfléchir collectivement à différentes échelles et à justement discerner en commun, collectivement, quelles sont nos responsabilités individuelles, mais aussi collectives. Et j'insiste là-dessus parce que je suis très frappée du fait que nous nous posons parfois un certain nombre de questions avec un sentiment de culpabilité personnelle ou individuelle, et c'est sûrement bon de nous interroger sur nos incohérences, nos défaillances, mais beaucoup de choses ne peuvent être résolues que si elles sont prises à une échelle plus large et d'une manière systémique. Et donc en permanence, nous devons essayer de faire le va-et-vient entre faire notre part là où nous sommes, mais c'est l'affaire avec d'autres et avec ce souci de l'effet de levier et de la transformation structurelle. Et ça nous implique à discerner, pas seulement ou pas d'abord pour nous, mais à discerner d'un point de vue collectif. Et là, alors ça pourrait faire l'objet de notre séance de réflexion, parce que voilà, de se dire comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble et essayer de développer des processus de discernement, pas seulement de délibération, mais des délibérations qui sont liées à une réflexion qui soit orientée par des critères éthiques, de justice, par le souci de la reconnexion à nous-mêmes et aux autres, et à la nature, et aux milieux vivants dans lesquels nous sommes immergés. Voilà, je crois que je m'arrêterai là-dessus pour nous inviter à prolonger cette réflexion ensemble sur peut-être les... Quel détachement, quel dégagement, pour quels engagements, et du coup pour quel discernement collectif. Maintenant, je vous propose de prendre un petit temps pour vous chacun et peut-être de réfléchir après toute cette nourriture que vient de nous donner Cécile, si vous avez une question à poser, une interrogation encore ou un point qui reste flou pour vous, et à partager vos questions dans le chat. Alors, une première question que je vois revenir deux fois, Cécile, c'est pour revenir sur la question du facteur 12 et celle du patrimoine. Donc, on a une question, merci de nous dire quelques mots sur le patrimoine. Une autre question, comment gérer les revenus du capital aussi, qui au moins pour les très riches sont facilement en dehors du territoire. Qui rejoint un petit peu une question. Avez-vous simulé les effets qu'aurait le facteur 12 sur la répartition des richesses entre les 10% les plus riches et les 90%, ainsi qu'entre les 1% les plus riches et les 50% les plus pauvres? Et une dernière question sur le facteur 12, est-ce qu'il est pensé avant ou après redistribution? Voilà, quelques précisions sur le facteur 12 et la question du patrimoine. Oui, alors, sur le patrimoine, oui, c'est tout le monde. Sur le patrimoine, là, je pense que pour ceux qui sont intéressés, je renvoie aussi aux travaux de Piketty sur les sujets, et notamment avec Emmanuel Saez et d'autres économistes, dans lequel ils ont montré comment dans les pays, notamment européens et États-Unis, on a vu mais ils ont élargi dernièrement les recherches à d'autres pays, comment les inégalités de patrimoine sont devenues de plus en plus extrêmes
Et donc, voilà, la question, c'est de quand on parle d'inégalité de salaire, souvent nous sommes un peu focalisés là-dessus, mais sans prendre conscience aussi des enjeux de répartition patrimoniale. Alors là, qui font ensuite, qui font l'objet de plein de réflexions aussi sur qu'est-ce qu'il est juste de léguer, par exemple, à sa descendance. Quand on a soi-même, par exemple, constitué, enfin, travaillé, accumulé de l'argent, et en se disant, est-ce que c'est pas légitime que je puisse transmettre à mes enfants et petits-enfants des richesses? Donc là, sur la question des inégalités, ça pose la question des critères de justice dans la société, se dire, est-ce que la question, c'est de promouvoir une égalité des chances, et dans ces cas-là, de souligner combien, par rapport à cette notion quand même très républicaine d'égalité des chances, les inégalités de patrimoine ont des effets très délétères. Donc ce qui invite quand même à prendre des mesures pour essayer de réduire ces inégalités-là. Voilà, ce que je voulais souligner, parce que je ne veux pas rentrer trop dans le détail, c'est que c'est vraiment important de regarder les deux aspects. Mais je pense que sur la question des salaires et de la structure des revenus, c'est aussi très important parce que ça dit quelque chose qui sont donnés aujourd'hui en termes d'activité professionnelle et qui conduisent finalement à dévaloriser certains types de métiers ou d'activités en survalorisant d'autres et sans que ça soit, comme j'ai dit, en lien avec des critères réels d'utilité sociale. Merci Cécile. Alors, un deuxième type de question qui a été posée sont des questions sur l'action collective. Oui. Quelle est la bonne échelle d'action? Comment agir pour impulser le changement? Comment fédérer les envies des détachements personnels, professionnels, économiques et pour être considéré comme une vraie force sociale à écouter? Ça résonne aussi un peu avec les riches, ça fonctionnait en réseau, mais les pauvres ont du mal à s'organiser en collectif. Donc un peu ces questions voilà, d'organisation et de force de changement. Oui, alors... Alors c'est difficile d'y répondre de manière très brève et un peu précise, mais alors évidemment la question c'est de promouvoir de l'action collective à toutes les échelles déjà. Ce qui vient d'être évoqué sur le décalage entre la façon dont les riches entre guillemets savent très bien s'organiser en réseau et puis favorisent d'ailleurs des réseaux qui sont en fait des réseaux très club, très fermés. Dans lesquels il y a un certain nombre de portes coulissantes entre, par exemple, les postes à responsabilité dans des grandes entreprises, dans la haute administration, dans les postes dans le gouvernement, etc. Ça, c'est bien étudié. Et c'est sûr que ça pose la question de savoir comment favoriser l'action collective menée par tous. Alors, je pense qu'il y a la question de l'empowerment, de renforcement des capacités de prise de décision de ceux qu'on n'entend pas généralement. Et puis, il y a en même temps la question de ne pas reproduire les oppositions entre guillemets, de classe ou autres, mais aussi pour favoriser des prises de décision qui permettent à des personnes situées de façon très variée dans la société de dialoguer ensemble et d'avancer. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à ces deux égards. Alors, du point de vue des conditions de l'empowerment des personnes plus vulnérables ou qui n'ont pas la même capacité forcément à argumenter ou autre, ça aussi ça a été pas mal étudié par des politistes ou des philosophes qui ont essayé de regarder comment s'élaboraient par exemple les conférences citoyennes ou les débats publics sur certains sujets et qui ont bien montré que souvent ce sont toujours un peu le même type de personnes qui sont là, des hommes d'un certain âge, blancs, éduqués, voilà, et qu'au fond, du coup, ça fait peut y avoir du débat, mais avec un public qui est assez homogène. Et par exemple, une philosophe qui s'appelle Iris Young, qui a d'ailleurs par ailleurs beaucoup travaillé sur les questions de chaînes de valeur, sur les sweatshops et autres, Iris Young invite à promouvoir des espaces de délibération dans lesquels notamment des femmes pauvres, elle parlait à travers des enquêtes menées dans des pays du Sud, mais ça vaut aussi pour nos pays, faire en sorte que les personnes puissent prendre la parole,
mais pas forcément avec nos critères d'argumentation habituels, en disant mais il y a déjà la salutation qui est quelque chose de très important, ou le rôle des symboles, faire parler les personnes en leur demandant d'utiliser des symboles, ou encore en utilisant des récits, des contes, faire raconter des histoires qui sont évocatrices des situations vécues et qui permettent de mettre au jour un certain nombre de problèmes, et puis ensuite de favoriser du dialogue et la reprise avec des personnes situées de manière diverse dans la société. Bon, c'est juste pour donner un exemple. Après, je pourrais aussi évoquer des formes d'action collective diverses qui peuvent être envisagées, mais je ne sais pas si on a tout à fait le temps, peut-être qu'il faut prendre une autre question. On commence à avoir des questions un peu aussi sur ces questions démocratiques, donc je les relis. Donc on en avait une sur les personnes qui font partie des 90% les plus pauvres ou les moins riches ne sont pas forcément celles qui font la loi. Une autre un peu sur cette décision collective d'agir, autant le risque écologique peut être considéré comme une crise pouvant toucher personnellement suffisamment de monde pour que le système ou les décideurs doivent agir, comment forcer aussi l'action sur les inégalités salariales qui peuvent être vécues comme inévitables et ne correspondent pas forcément à un mur commun qu'on va se prendre. Et un peu dans les autres types de questions de ce type-là, c'était sur les freins concrets qu'il peut y avoir aujourd'hui, donc notamment quelle comptabilité entre l'envie de détachement qu'on peut avoir et la logique de concurrence internationale entre grandes puissances, les enjeux géopolitiques, et aussi des stratégies que peuvent avoir des entreprises à court terme. Par exemple, si on conditionne les aides au non-versement de dividendes, les entreprises vont licencier au lieu de passer en chômage partiel. Comment lutter contre ces réactions ? Donc là, c'est un peu des questions sur des freins, que ce soit à court terme, dans la fabrique de la loi, dans les contraintes géopolitiques et dans les logiques économiques qu'on peut peut-être voir. Comment essayer de dépasser ces freins-là ou les prendre en compte ? Oui, alors sur les enjeux plus structurels et sur les freins que peuvent expérimenter même des dirigeants d'entreprise sur ces sujets, je pense que ça pose vraiment la question de la responsabilité politique des dirigeants et des entreprises. Si je prends le cas des acteurs économiques, et ce qui me frappe, c'est que voilà, il y a un certain nombre de cadres dirigeants qui se sentent extrêmement coincés par justement cette concurrence internationale, par les règles du jeu ou l'absence de règles du jeu, et qui disent ben, c'est bien gentil, mais nous on est pris là-dedans et on a très peu de marge de manœuvre. Alors pour une part, cette expérience-là, elle est réelle, mais d'une part, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, je pense qu'il faut toujours quand même se demander si les acteurs ont aussi peu de marge de manœuvre qu'ils veulent bien le reconnaître. Est-ce qu'il n'y a pas des décisions déjà qui peuvent être prises par des dirigeants d'entreprises, je pense à l'un ou l'autre, j'ai oublié le nom, mais une dernière, une entreprise américaine, un patron d'une société financière qui a décidé de réduire son salaire, de mettre tous les salaires au même niveau dans son entreprise, en disant que c'était une manière de contester un discours de Trump légitimant les inégalités salariales abyssales, disant que c'est possible, au moins pour certains dirigeants, de faire des choix de ce type-là, et montrer en fait en un sens l'exemple, et montrer qu'il y a comme un caractère quand même très moutonnier de tout ce qui est supposé des critères qui valent comme règle du jeu. Il y a sans doute déjà des choses qui peuvent être mises en œuvre à l'initiative de certains. Et puis, quand je parle de responsabilité politique des dirigeants, c'est aussi pour évoquer le rôle que peuvent jouer des dirigeants pour alerter sur les règles du jeu telles qu'elles existent, et en soulignant leurs effets pervers du point de vue de la transition, du point de vue des critères de justice à différentes échelles. J'évoque par exemple la question de la fiscalité. Pour avoir pas mal parlé de ces sujets avec des dirigeants d'entreprise, en essayant de les aiguillonner sur les pratiques dites de prix de transfert, qui sont en gros des pratiques qui permettent de l'optimisation fiscale, voire, et parfois qui sont pas loin de ce qui permet de l'évasion fiscale, c'est-à-dire la différence entre les deux étant que l'optimisation fiscale est supposée quand même être légale. Si on veut changer ça, ça suppose de changer des règles du jeu à l'échelle internationale,
Et là, les entreprises peuvent se situer différemment. Et pour avoir, avec deux dirigeants, deux patrons du CAC 40, eu, il y a quelques années, deux conférences sur ce même où ce même sujet avait été abordé, l'un des deux avait dit « Mais moi, je considère qu'il faut faire de l'optimisation fiscale parce que ça me permet de dégager des financements pour promouvoir des fonds qui sont supposés contribuer à mettre en place de nouveaux modèles économiques, donc faire de l'innovation sociale à partir des fonds dégagés par l'optimisation fiscale. » Donc ça, c'était un type de discours et de réponse. Et puis l'autre m'avait répondu qu'en revanche, il considérait que c'était tout à fait dommageable en termes de règles du jeu global, et donc il était lui dans un groupe qui faisait de l'optimisation fiscale parce que effectivement ne pas en faire c'était se tirer une balle dans le pied, mais disant bien que c'était décisif de pouvoir élever une voix sur ces sujets pour favoriser la lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Tous les débats qu'on a aujourd'hui aussi autour des GAFA, mais pas seulement. Donc je pense que sur la fabrique de la loi, c'est aussi prendre les entreprises au mot de leur volonté d'être des acteurs de la transition écologique, de la lutte contre le réchauffement climatique, de souligner leur rôle vis-à-vis de la préservation des biens communs mondiaux, leur dire ben, montrez-nous comment ce que vous mettez en œuvre en termes stratégiques pour inscrire vraiment de façon structurante ces objectifs écologiques et sociaux dans vos stratégies d'entreprise. Et à partir du moment où elles essaieront de regarder comment très précisément ça doit avoir des effets sur les choix de modèles économiques, ça devrait avoir des effets sur des prises de position publiques, sur la nécessité de transformer aussi bien les aspects de la fiscalité comme ceux de la comptabilité, pour prendre deux sujets vraiment structurants pour arrêter de créer de la richesse à la manière dont on fonctionne aujourd'hui. Alors, je vais poser deux dernières questions. Une question qui est, le système peut-il, grosso modo je la résume, le système peut-il vraiment changer? Est-ce que si on veut vraiment faire bouger les choses, il ne faut pas nécessairement sortir du système? L'autre question qui résonne un tout petit peu, mais pas exactement, c'était comment restaurer la confiance dans les élites, et les, que ce soit économique ou politique? Oui, alors sur le fait est-ce qu'il faut sortir du système ou pas, alors on peut dire qu'il y a un peu, certains auteurs distinguent en gros trois formes de positionnement. Un positionnement, on pourrait dire, qui est plus la réforme, la révolution ou travailler dans les interstices. Alors, et ça, moi je suis pas sûre qu'il faille dire que c'est l'un à l'exclusion des autres. Je pense qu'il nous faut tout ça pour pouvoir y arriver collectivement. Donc, et je pense que selon nos sensibilités, peut-être nos expériences, nos positionnements, ben, nous sommes plus à l'aise avec une posture qui est de l'ordre d'être dans une entreprise, voire dans une grande entreprise, essayer de faire bouger les choses de l'intérieur, mais avec une grande lucidité sur les impasses dans lesquelles sont pris les multinationales ou toutes les grosses structures aujourd'hui, et en reconnaissant que il y a sûrement énormément à faire évoluer et à transformer en matière juridique et en matière de modèle économique, mais que voilà, on ne va pas y arriver du jour au lendemain, et du coup il faut alors à la fois essayer de travailler de l'intérieur à ces transformations, et sachant que les seuls efforts internes sont absolument insuffisants, inefficaces, et on voit bien toutes leurs limites aujourd'hui. Donc ça plaide évidemment aussi beaucoup pour une action en termes, alors quand on dit révolution, c'est il faut voir ce qui est mis derrière les mots, mais en termes de projet tout à fait à l'écart du système d'un côté, et qui veulent essayer de réinventer des modèles qui soient pour le coup beaucoup plus vertueux et cohérents vis-à-vis des enjeux de la transition, et pour montrer que c'est possible de faire autrement, et avec le souci en même temps d'aiguillonner les structures existantes pour essayer de les faire bouger. Et je dirais que là, il y a des acteurs qui se situent soit du côté de l'élaboration de stratégies plus locales souvent, qui réinventent de nouvelles formes de travail, de vivre ensemble sur des territoires,
Et là, et c'est peut-être que là, la troisième voie qui est celle des interstices est intéressante parce que c'est-à-dire il faut des passerelles entre ces innovations plus hors système, si on peut dire, et si on veut passer à l'échelle, il faut bien qu'il y ait du maillage avec nos institutions politiques, avec les organisations aussi, les entreprises, voire des grandes entreprises, pour essayer de proposer des transformations à une échelle supérieure. Après, tout ça pose la question de la mobilisation citoyenne à différentes échelles, et à la fois, et je pense que là aussi, c'est du, à mon sens, du « et » entre des positions type extinction-rébellion, non-violence active, mobilisation très forte pour dénoncer un certain nombre de pratiques et faire valoir les iniquités engendrées et puis les crimes d'une certaine manière engendrés par nos modèles prédateurs, donc voilà, et en même temps en se mettant dans la question aussi qui est la transformation de nos modèles de consommation, de nos modes de déplacement, de nos manières de nous chauffer, de prendre des vacances, de nous déplacer, etc. Et que il est évidemment pas suffisant de taper sur certains acteurs en disant que ce sont eux qui sont essentiellement responsables de tout. Je pense que ça, il y a en même temps la question de la cohérence dans la transformation de nos propres modes de vie, et ça, voilà, ça rejoint bien, je pense, la question des détachements nécessaires, de la prise de recul, de manière à se situer peut-être un peu autrement, et de manière à poser des choix plus radicaux, et qui nous permettent vraiment de ne pas nous payer de mots et d'aller dans une transformation beaucoup plus radicale et profonde. Alors, je te pose la dernière question, qui est une question difficile et qui donne la suite de ce sur quoi tu viens de conclure. Est-ce qu'en une phrase, Cécile pourrait nous dévoiler la vision dont elle rêve face à tous ces défis ? La vision dont je rêve, alors déjà, en termes d'attitude, il y a une attitude que j'aime beaucoup, qui est liée alors, à la congrégation à laquelle j'appartiens, qui parle de dégagement joyeux. Et je trouve que c'est une manière de dire une forme de détachement. Je pense que c'est une autre façon de parler de la sobriété heureuse, mais qui est dire se dégager de ce qui nous encombre personnellement et collectivement pour pouvoir nous engager joyeusement les uns avec les autres. Alors dire cela, c'est pas du tout être bisounours, c'est-à-dire que ça va de pair avec la reconnaissance des souffrances vécues, de la réalité de la mort autour de nous, des drames liés à ce que nous vivons en ce moment et aussi à ces injustices structurelles que j'évoquais. Voilà, alors parler de dégagement joyeux, c'est se dire comment croire que voilà, la source de la vie, elle n'est pas empoisonnée, qu'il y a quelque chose que nous pouvons accueillir ensemble et vivre et partager et faire croître et qui nous appelle à mettre nos ressources de créativité, voilà, d'innovation au service d'une vision d'un monde moins inégalitaire, j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui, et d'un monde qui soit marqué par le souci d'un rapport ajusté aux personnes et aux écosystèmes. Voilà, donc je terminerai sur ce dégagement joyeux pour nous engager voilà, vigoureusement et avec confiance pour plus de justice.